Dossier de ce journal, l'agroalimentaire. Mercredi dernier, en effet, le Conseil des ministres a adopté une série de mesures destinées à favoriser les entreprises de ce secteur, et notamment sur le marché étranger. Car pour devenir l'or vert, l'agroalimentaire doit avant tout exporter ses techniques. En Ile-de-France, 350 entreprises sont concernées. Elles traitent les produits maraîchers, les céréales et la betterave. Pour beaucoup, le tournant est déjà pris. C'est le cas de la centrale laitière de Vitry, implantée dans la région depuis 1928. Cinq secteurs alimentaires arrivent en tête en région parisienne. Les pâtes, 21%, la meunerie, 18%, la charcuterie, 17%, les desserts, 17% et le lait, 15%. 150 millions de litres de lait par an et 800 000 petits pots par jour sortent de cette usine. Cette centrale laitière, qui existe depuis 1928, a beaucoup diversifié ses produits. Les bénéfices proviennent en partie de cette variété de desserts qui évolue avec les goûts du public. L'APECITA, l'association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture, vient de tenir son assemblée générale. Bilan pour les dossiers étudiés en 1979, une certaine inadéquation entre les demandes et les offres d'emploi. 40% des demandeurs sortent de l'école, 30% n'ont pas d'emploi, 30% voudraient un autre emploi. À noter également une progression des candidatures féminines. L'APECITA est une association de type 1901 agréée par la NPE et subventionnée par le ministère de l'Agriculture. Question, l'agroalimentaire est-il prêt à promouvoir efficacement les produits français à l'étranger? Si l'on parle d'or vert, on parle de conquête de marchés extérieurs. Il faut absolument que les agriculteurs et les cadres qui travailleront dans le monde agricole aient cette mentalité, cette volonté de conquérir des marchés. Mentalité d'exportation est absolument indispensable. Il y a des postes nouveaux qui sont ouverts et proposés, en particulier dans l'agroalimentaire, sur le plan du commercial et du technico-commercial, et toutes les formations qui sont données aux jeunes actuellement ne sont pas adaptées à cette volonté commerciale. Certaines écoles nationales sortent des gens très compétents, les universités ou d'autres écoles laissent encore à désirer sur la formation à apporter, ce qui explique cette inadéquation. Mais pour nous, il est important que nous ayons dans le monde agricole de plus en plus de cadres prêts à cette conquête des marchés. Principale exportation de cette entreprise, le lait stérilisé à destination du Moyen-Orient. La production laitière est l'un des secteurs prioritaires de l'agroalimentaire. Reste à savoir si l'objectif national, 2 milliards à l'exportation pour les produits laitiers en 1984, sera atteint. Quant aux entreprises parisiennes, si leurs produits sont transformés et prêts à l'exportation, elles pâtissent d'une chose, le prix des terrains.